Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui l'est, n'a pas gardé vidéo si là. Si vous êtes un fidèle branché de l'émission, n'a pas dit merci parce que vous accompagnez nous depuis le premier épisode là jusqu'à troisième épisode si là. C'est avec un pile qui est content, nous content rentrer la caillou pour troisième épisode vidéo ça. Si vous à peine branché tout, n'a pas dit que retenez, vous pouvez vraiment aimer ça, vous pouvez le suivre là. Et puis surtout pas oublier abonner, activer cloche notification. Yon façon pour capable toujours au courant de toute réalisation nous. Jodi an n'ap gen chans parler de un sujet qui très important et qui concerne en pile moun. Mais contrairement ensemble avec Jean nous konn fèl longtemps, nous pa bay trop détail parce que c'est vraiment important et puis c'est un invité que nous vraiment pas konn habitué ouais qui a sou plateau ensemble avec nous. Mais sauf ça que m'ka ba nous comme détail c'est que n'ap gen yon fi avec nous sou plateau. Donc, nous pas baïtop détail Jean nous sodi an, n'ap pran un petit pause et puis après n'ap tourné ensemble avec invité nous pour nous ka parler plus. Voilà, nous retourner après pause là, nous vraiment espérer côté impatient qu'on est qui est n'a gagné sur plateau comme invité. Et bien c'est avec un pile plaisir n'a dire que nous content jouer ensemble avec madame Iris Duhamel pour parler nous plus sur question habillement. Entre moyen nous qui souvent pas permettre nous et morphologie nous tout que nous pas souvent connaît et différents styles que nous pas vraiment connaît pour nous approprier tête nous. Donc on souvent gagne un pile problème dans question habillement et souvent de fois nous fait assez bien, souvent de fois tout nous pas arrivé faire. So jodi on a gagne chance parler ensemble avec un conseiller en image qui c'est un expert dans domaine là, qui va raconter nous de fil en aiguille qui ça qui est important pour nous connaître sur question habillement. Bonsoir madame Duhamel, comment est-ce? Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien, merci madame. Ça va, désolé, le français va venir un petit peu plus que d'accord. Le colère et on va adapter au fur et à mesure. Pas de problème. Okay. Donc, qui est-ce où y est? En fait, soit présenter tête ou qui ça va dire où y est? Par rapport ensemble avec réseaux sociaux, tout le monde connaît que vous êtes conseiller en image, mais qui est Iris Duhamel? Et le nom la mousse, c'est ça vient de quoi en fait? Ok, tout d'abord je suis Iris Duhamel Augustin et puis bon, connue sur les réseaux sociaux sur le nom de La Moumousse. La Moumousse en fait c'est Moumousse, c'est un de mes sobriquets et en 2014 quand j'ai lancé mon blog, je ne trouvais pas le domaine moumousse.com, donc juste comme ça, l'idée me dit fait La Moumousse et puis fait La Moumousse et puis je n'y ai plus c'est resté. Okay. Donc ça c'est La Moumousse.com. Je suis avant tout une professionnelle dans le domaine de marketing, relations publiques avec plus d'une quinzaine d'années d'expérience. Et puis bon, comme je dis, en 2014 j'ai commencé à bloguer et finalement j'ai fait une certification en coach de style en 2019. Mm-hmm. Et j'exerce depuis 2019 aussi en tant que coach de style. Le concept coach de style c'est un mélange de, si je peux dire, de conseil en image, stylisme personnel et coaching de vie. Donc je me suis trompée sur le thème en disant que vous êtes un conseiller en image. Bon, je suis conseiller en image, mais un petit peu plus vaste, ça change un petit peu. Le conseiller en image en soi, traditionnellement, fait quoi? Ça te donne des conseils stricts sur comment tu dois être en fonction de ta morphologie, etc., etc. On fait un coach en style. Et c'est fini. Moi, le coach de style, moi, a priori, ma priorité, c'est de vous aider, de vous accompagner à vous découvrir. Et en faisant tout ça, on va donc, faire le conseil en image ne fait pas ça. Pas forcément. La conseillère en image vous voit et vous dit voici votre morphologie, voici comment vous devriez vous habiller, voici votre colorimétrie, voici comment vous devriez faire et en fonction de votre style de vie, vous faites un relooking, etc. Et ce qu'on a remarqué, le conseillère en image, la plupart du temps, les gens font un relooking et puis après un certain temps, laissent tomber parce que la personne ne se retrouve pas parce qu'on les a mis dans une boîte. Ok. Littéralement. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est, si je peux dire, c'est faire ressortir la beauté intérieure, c'est aider les gens à combattre justement les petites insécurités. Je fais beaucoup de coaching en estime de soi, en développement personnel. D'ailleurs j'ai parlé de coaching de vie que j'intègre justement dans mes consultations. Pour moi c'est idéalement c'est de vous aider à être vous-même. Et s'il y a des choses qu'on dit, ah, en fonction de votre morphologie, c'est pas conseillé de porter. Ça, si c'est une pièce que vous aimez, on va découvrir comment on peut faire des agencements pour le faire. Mais je vais vous dire que vous faites cette tenue-là, ça va vous donner un 7. Vous voulez avoir un 10, vous allez porter ça. J'essaie d'être flexible le plus que possible parce que pour moi, comme tu as dit ça, idéalement, c'est empower.
c'est force tout bien en peau fait que ou à l'aise et donc exprimer tête ou le pendant porter son remède porter son remède en tenant compte aussi de style de vie ou parce que style personnel ou influencé en pile par mode de vie. OK, je comprends. En parlant pour nous commencer, je pense que c'est première question essentielle là qui c'est code vestimentaire. Tout le monde t'a souhaité qu'on ait qui ça code vestimentaire. Bon pour moi même ça me connaît que c'est un norme sociale qui pas écrit. Mais qui comme si plutôt dit moun yo mais comment on habillé ou bien mais comment on voyé ou bien tout qui baille une indication sur qui ça yoyé qui est sur yoyé en fait qui ça yo fait qui occupation yo mais ou même qui dans domaine là qui ça capable dire de code vestimentaire pas dit qui ça yoyé OK qui ça yoyé c'est ou décider qui ça yoyé il faut aller intérieur de code vestimentaire là pour aller exprimer qui est sur yoyé justement code vestimentaire il varie dans secteur en l'autre j'en dis dans société en l'autre tout et à l'intérieur de la société en fonction du mode de vie aujourd'hui nous disons ou gagner une variété ou gagner plusieurs latitudes pour exprimer tout ce qu'on dit ça et comme ça donc c'est ça et puis bon si nous rentrons dans les détails ton code vestimentaire qui a indiqué comment qui comment pour habiller dans différentes circonstances sur rentrer ça dans le code vestimentaire parce que c'est le code vestimentaire là est aussi indiqué comme si humeur ou tout si nous regardons ça code vestimentaire pas vraiment exprimer humeur par contre personnalité de façon qu'on interprète elle et donc exprimer humeur. OK. Pour moi qui est vraiment important que qui toujours vient dans tête moi l'en a parlé de code vestimentaire ou bien l'en a parlé de façon mon habillé. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Ça se vient d'âge que me pensais que tout mais ça aide à reconnaître le moine. Oui, mais ça aide à reconnaître le moine. Donc dans quelle position ou bien dans quelle dimension nous qu'on considérer que gagne vraiment liaison entre son métier et personnalité. En Haïti et même un petit peu partout, moun gen tendance avant tout habillé en fonction de mode de vie. Pour nous exprimer ça, ça veut dire mode de vie qui ça lié, c'est qui sont fait dans la vie au quotidien, dicté par un bagage. Par exemple, un moun exemple qui plus pratique, moi c'est que m'ka bay que tout moun ka apprécier facilement, l'on rentre la banque ou tout moun gon uniforme par exemple. Yo gen et même quand pas gen uniforme, yo suivre une ligne de tenue, gen de ba ou pa jam wè, ou pa pou avec un maillot, pa pou vraiment un jean, ou pa pou gon pantalon toile. Ou bon jupe droite, bon chemise, etc. C'est-à-dire que ça son mode de vie. Et un pile bail que m'expérimenter le m'a travaillé avec gens de moun sa, c'est que moun sa ou gèt dans vie et tête et puis rentrer dans yo approprié moule que même l'œil en dehors de moun sa, yo perdu ces mêmes bagages yo juste répéter. Donc est-ce que nous ca considérer que façon habillé comme si en quelque sens, si nous dit que c'est pas vraiment comme si un mode de vie influencer façon habillé, façon habillé qui a influencé mode de vie tout? Non. Est-ce que nous dit le contraire? Non. Et mode de vie influencé Jean habillé. C'est le bon terme, c'est ça qui fait un bon exemple ça là, moi dis que la banque là l'aller qui ça lié, il y a un code vestimentaire très strict, c'est pour ça prendre exemple ça côté pour bon uniforme. Et ce que je t'ai dit c'est que mon même l'œil en dehors de ça, presque habillé même gens parce que yo perdu là-dedans, yo pas contre qui gens pour exprimer tête en dehors de ça et même à l'intérieur du code vestimentaire ça, yo pas contre qui gens pour approprier de personnalité. OK. Et c'est important. Et c'est un travail que je fais parce que c'est une étude que je propose moi-même, c'est une étude de personnalité de style. C'est de découvrir parce que, au fait, et tout le monde a deux courants. Ou a deux courants, ou a ça aurait les style vestimentaire qui prime, comme je dis qui prime, ou bien qui main style, et puis ou a un secondaire. Et généralement, la plupart du temps, ça qui. En rouen, c'est ça que vous expérimentez au quotidien. Et deuxièmement, généralement, les plus gain rapport à personnalité. Seul moyen que personnalité ressorte un petit peu plus, c'est lors de les métiers créatifs. C'est-à-dire que nous avons un environnement créatif. Donc à ce moment-là, les gens sont tendance à se laisser un petit peu plus. Bien que des fois tout c'est pas personnalité ou donc faire pour show business là, mais on laisse un petit peu plus aller dans ce sens là par rapport avec créativité environnement. Donc dans quel niveau habillement au monde qui remet en question féminité ou bien masculinité? Dans quel niveau comme si habillement au monde qui reflète féminité ou masculinité ou comme si moi-même souvent habillée, j'aime habiller là. Mais comme si son monde qui te remet habillé en l'autre façon, il y a monde qui te capable plus comprendre qui dit que ça ah, pas trop féminin dans le sens que moi ça me dit là.
peu pas trop clair. Des fois, yo dit des femmes les tomboy, c'est là que yo approprié de style masculin sans que yo pas exprimer féminité, bien que style masculin actuellement est très à la mode dans milieu féminin, mais il y a de manière de différentes façons pour interpréter, yo capable balo on approche dit à un petit peu plus masculin que féminin. Mais et pour répéter mon ami qui me dit ça, la mode est fluide, la personne tu t'appropries de la mode, l'interprétation se fait en fonction de ta personnalité, du message que tu veux faire passer, et des fois les gens veulent choquer, s'approprier de certains vêtements juste pour faire choquer, faire le buzz et faire le buzz. Maintenant des fois aussi certaines personnes font des tenues parce qu'ils veulent exprimer quelque chose et puis au mal fait les mésinterpréter. Donc ça il faut justement donc il faut vraiment doser. Il faut savoir doser. Mais exprimer sa féminité ou sa masculinité à l'intérieur de style, ça a rapport justement d'abord avec le grooming, c'est-à-dire comment chemise ça avec pantalon ça qu'on mettait, hein? Différents monde qui a fait différentes interprétations qui capable dit que fille ça plus féminine, ça aller juste classique, tu comprends, c'est là que nous entrons dans cette personnalité de style, qu'on dit ça plus dramatique, les plus classique, les plus féminine, les plus naturel, est-ce que tu comprends, cette même tenue, ces deux pièces là que tu portes, chaque style de personnalité qu'a metté et a bien associé de l'autre façon, tu associé de l'autre façon, et c'est ça qui va déterminer style vestimentaire. Le monde qui plus naturel, il pas bien maquillage mais la bien très peu de maquillage, des cagons souliers qui un petit peu plus confortable, est-ce que tu comprends, et puis là bien moins de bijoux, etc. Au monde qui classique, là qui des bijoux, là bien moins de maquillage, les capables peut-être pour un soulier qui plus classique, etc. Est-ce que tu comprends, mais chaque personne paye en l'autre genre, etc. Ça varie en fonction de ça et ça reflète à ce moment-là la personnalité, le style de la personne. Maintenant les gens qui parlaient un petit peu juste allons dire ça que pas trop comprendre concept yo, utiliser des termes spécifiques pour déterminer. Par exemple, c'est même bagalan, la jante masculine, yo gain personnalité de style, ça fait que moi essayer le plus que possible travail, monsieur parrain, mais fait travail ça, mais il bien pour travail. Fait travail concernant l'image là en soi, fait travail ça au quotidien pour découvrir peut-être ou pour comprendre. Non, même ça me devle surtout comme si miser sur importance sur concernant l'image, est-ce quoi comme si l'important pour tout le monde qui a concernant l'image ou bien pour suivre concernant l'image, même quand il pas approprié le service là particulièrement. OK, il y a plusieurs bagages, il y a les consultations. Tout le monde encourage faire des consultations en concernant l'image parce que même quand on dit qu'on maîtrise certaines choses, par exemple, c'est bien de connaître sa couleur. Comme si nos consultations comme si qui sait, on dit que moi elle fait consultation qui ça comme si m'a joindre. Alors pas gagne consultation. Tu as au moins plusieurs consultations. Mais pour une toute première consultation, comme si. Bon, la première consultation, c'est une évaluation. Où on fait l'évaluation des besoins et que je peux savoir exactement est-ce que tu as une cliente que je vais faire seulement du conseil en image, est-ce que c'est quelqu'un qui va faire, par exemple, le nettoyage de garde-robe, qui va faire le rangement de garde-robe, est-ce que son client qui a besoin justement des services additionnels de coach de vie, une spécialité, c'est mindset, coaching et développement de talent, est-ce que son monde qui a fait développement de talent, qui j'aime que n'a pas lié tout ça. Donc la première étape c'est vraiment de faire son évaluation. Maintenant je disais tout le monde a besoin soit d'une conseil en image ou d'un styliste personnel, ça va dépendre dans qui sens. Par exemple et story que nous avons mis, c'est pas un cabinet, c'est un styliste personnel qui a besoin de voir, et c'est un service que j'offre, il y a de monde, surtout monde qui dans les groupes, les professionnels, les chefs d'entreprise qui ont un agenda, qui ont géré différents types d'événements, ils ont gagné un style s'attache avec eux, même pour préparer un garde-robe en fonction de l'activité. Mais dans notre quotidien, c'est bien de faire les consultations de base, à savoir connaître sa morphologie, connaître sa chante de couleur et connaître sa personnalité de style pour pouvoir, pour capable vraiment approprier le style. Pour qui de style? Pour qui ça? Ça va le faire qui ça? Ça va le faire que ou éviter que ou plein rad tout en bas carbone ou c'est rad mal et pas j'aime rien pour mettre. Oui, ça fait ça. Et qu'on met ton bajou dans le mieux, par contre, pour qui ça, tout ça, met ton passant tout bien, etc. Tandis que tu essaies, ou voulez présenter ou bien. Ça permet de comprendre ça. Pour qui ça? Parce que j'en aime ça, on met tes pièces avec pièces, on met tes pièces avec pièces, on met tes pièces avec pièces. On met tes pièces façon tout. On met tes pièces avec ou elles, on met tes pièces et pour l'acheter, les plus on met tes pièces, on fait ou Jésus. Ou elles, on met tes pièces avec ou bien, ou bien, par contre, comment on match.
son conseil en image cabendo cap dit que en fonction de morphologie mais qui déviation pour faire la dent ou bien en fonction de couleur pas prendre couleur ça priorise en couleur est-ce que tu comprends en yeah. fonction de forme quoi nous t'a conseillé prendre telle nuance en essayer mettre le consent ou bien aussi faut que nous faire des ajustements comment est vraiment important que vraiment besoin que nous souligner c'est pas rapport avec morphologie moi parler de morphologie en pile et on même dit que la première consultation c'est une première étape comme si pour aller des monde connaît qui morphologie c'est une première consultation qui est comme qui est important par rapport au fait que en pile mon apprécié estime de soi ça qui ont bagarre qui très bien et ça qu'on arrive que d'essayer le monde qui par rapport avec morphologie pas comme un type de rade et il est vraiment clair dans tête que pas comme mettre par rapport avec estime de soi que mettre OK pas avec monde comme mettre ça ouvrir etc donc en fait c'est quoi le conseil pour un monde comme qui conforme morphologie et qui passe son mettre d'essayer de qui vraiment pas aller ensemble avec morphologie mais qui pour autant comme si tellement croit que dans tête lui que OK ça va déranger tu sais il y a plusieurs barres que je me suis approché je me fait plusieurs parenthèses première parenthèse là me fait ici il y a une déformation quand on parle de d'estime de soi de confiance en soi et que nous gagnons qui rend nous arrogants il y a de l'arrogance beaucoup d'arrogance parce que nous ne comprenons que il dit faut quoi dans tête puis quoi dans tête le concept estime de soi en soi le vrai estime de soi c'est quelque chose qui se travaille au quotidien et que monde jusqu'à sa mort qu'on suppose toujours faut prendre une limite tout et faut apprendre qu'on limite ou certes mais avant tout faut qu'on connaisse force ou faut qu'on ait objectif ou et faut qu'on ait qui faiblesse ou par rapport à objectif ou et qu'on plan justement pour d'amélioration pour aider ou arriver quand on parle donc moun yo li déformé un petit peu et nan concept que on rentre dans ça que moi m'aime les body positivity qui c'est l'appréciation de soi l'amour de soi apprendre qu'on tête ou apprendre qu'on tout partie dans corps c'est concept ça on utiliser apprendre attribut ou etc et qu'on comment pour mettre tête ou en évidence en pile moun ouais tout monde a fait bagaille ou veut faire ou dit a fait tout pas aucun problème il y a moun qui fait très bien parce que premier bagaille quand tu as de l'audace et que tu assumes des fois et ça peut passer mais des fois ça ne passe pas c'est bien de faire la consultation de comprendre et que bon pièce que ou est qu'on monte à même mettre qu'on qui meilleur façon pour mettre et qu'on qui gens que li harmonieux l'harmoniser parce que vraiment en consultation d'image et en stylisme on parle beaucoup d'harmonie que ce soit harmonie de couleur harmonie de la tenue dans l'ensemble c'est ce qu'on recherche quand on parle comment on crée justement l'illusion optique pour avoir certains résultats. Tu comprends ouais mon nan comme ça ou dit ou garde photo fait oh mais tel pas grosseur ça mais c'est ça le métier qui fait pas être grosseur ça dans photo on parle d'illusion optique et là qu'on fait consultation qu'on est genre de bagaille ça yo ou qu'on est justement quel type de tissu cap amincir ou quel type de vêtement qui coupe cap amincir ou qui ça cap fort vite paraître plus haut ça cap fort paraître plus court qui ça cap fort gain mon tout qui très filiforme l'or filiforme mince qui gens qu'on capable justement étoffer silhouette tout donc il est toujours bien pour gagner un petit détail ça yo ça permet tout justement faire de meilleurs choix il y a des monde qui pensait que ou faire comme ça en image parce que ou nul en style ça n'a rien à voir même quand super dope la donne super doué ou capable toujours faire li parce que moi quand même par exemple moi même somme qui était toujours gain œil très pointu pour style etc gain de bail m'a ou bien gain de bail fait ah c'est pour ça que fait me préférer faire ça à ça parce que il y a une science derrière tout ça ou bien gain de bail tandis que moi j'ai toujours connait comme si wow I got this comme si I got style tout de type pour moi mon rien dire but toujours que bagaille que ou ka apprendre l'or ou connaît plus il permet tout faire de meilleurs choix et ou apprendre pile et qui est bon comme si qui a prêté ce sont des conseils qui te restent que tu as avec toi qui permet tout faire de meilleurs choix pour même pour comprendre mieux tes tout donc le meilleur conseil comme si pour un monde qui a une morphologie qui bah fin qu'on est morphologie désolé si me fait comme ça c'est dit mon apprendre qu'on est morphologie et puis chercher qu'on est plus ce qui gens les castiller tête là oui qui gens pour le mettre quoi en évidence comment pour mettre quoi en valeur c'est ainsi gain en pile prototype gros prototype et taille comme si vraiment fine hanche développée super épaules bien alignées ou bien en tout petit en bas plus gros etc et tout pour la chercher converger vers ça et des fois il fait très mal il fait très subjectif il fait sans classe si me dit ça encore
Et ça, c'est bien, je n'ai pas de problème si c'est ça qui va. L'idéal pour toi, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux, quels sont tes objectifs, quel est ton train de vie. Et avec ça, on travaille avec tout ça. Et quelle est ta morphologie aussi. Ou pas qu'à rétendre pour voler pour gagner le même résultat, le mettre en radio à un monde qui ont X par exemple. Ou pas qu'à ronde pour voler sembler avec un monde qui poire. Ou pas qu'en triangle inversé, ou voler habiller même genre avec un monde par exemple, soit qui ont poire ou bien qui. Ou supposé. Donc l'important c'est chercher stylo, chercher qu'on qui est, chercher qu'on fort corps et puis chercher bah qui a l'ensemble avec vous. Justement. Bon, on te donne des indications claires et nettes. Pendant n'a parlé de style, n'a parlé de rat, n'a parlé de tout ça, il y a grand monde comme si qui toujours trouvé que l'extra comme si pour faire une consultation, n'a mais un conseil en image ou bien un coach de style etc. Grand monde qui toujours trouvé tout simplement que habiller bien, demander un pile l'argent. Non. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? La première chose, quelqu'un qui fait le coaching de style, c'est un investissement. Et moi, j'ai dit que moi très fier de toute clientèle que moi t'ai gagné parce que non seulement c'est pas parce que moi j'ai dû améliorer le look de présentation mais c'est confiance que j'ai dégagé, c'est objectif parce que pas bien moi j'ai fait développement de talent et que moi fait mindset coaching, c'est changement d'état. J'ai lancé pas mal d'entrepreneurs, j'ai lancé pas mal de petites entreprises et moi comme si qui pas de comment pour mettre un pied devant ou deux pieds devant l'accompagnement que j'offre. Pas bien background, moi c'est marketing et relations publiques tout. Donc c'est tout un package. C'est d'abord avant tout un investissement que tu fais qui te permet justement, qui te donne des outils pratiques pour qu'on ait dans ta vie. Quels sont les bons gestes à faire, comment s'apprécier, comment développer tes tout. Avant tout, moi-même, c'est ça. Et oui, si l'on lit là-dedans, mais moi-même, une priorité que j'ai, c'est ça fait que j'étais très méticuleuse. J'avais fait le conseil en image en soi d'abord. Moi, j'ai trouvé que j'étais trop, j'étais pas assez profonde pour moi, j'étais pas de manquer profonde. J'étais pas en plus que j'étais cherché parce que j'étais trouvé que j'étais plus potentiel. Et le concept coaching de style, c'est un concept qui développe à Londres, qui est assez récent, une vingtaine d'années. Ça fait un petit peu plus, ça va à l'intérieur, ça fait le travail. Travail de coaching, t'aider à travailler sur ton mindset. Une certification NLP qui c'est neuro-linguistic programming. Moi, je travaille vraiment en collaboration des fois avec psychologue. C'est aider mon assouti nos stades à un lot. Et pendant que l'on fait l'ajustement, le style vestimentaire, prendre soin de soi, ça fait partie du développement personnel. Le monde, quand il y a tout, on a parlé de self-care, notion self-care, c'est ça que lié, c'est prendre soin de tête, c'est compte tête, apprendre à mettre tête et apprendre à mettre tête en valeur. Parce que, et autant que nous avons préféré, nous avons dit que nous avons tel corps, nous avons tel corps, nous toutes nous sommes créatures, bon Dieu, nous toutes nous parfaits. Même le monde qui nous dit que la morphologie parfaite, là, nous avons vu le côté, nous avons des petites restrictions, nous avons dit, souffert ça, mais ça capriva, souffert ça, mais ça capriva. Nous, chaque fois, nous avons essayé de présenter tête nous le mieux que possible. Essayer de mettre des attributs nous en valeur et des bagages qui fait nous sentir nous pas trop bien que nous dérangeons. Nous regardons comment nous font type calme pour c'est pas ça qui paraît le monde premier regarder parce que ça on ne pas comprendre et me travaille en pile en communication aussi parce que une bagage que moi fais et public speaking coaching et parle en pile de communication ou communication au fait les 93 à 80 95 à 97% non verbal. Yeah. Et reste là c'est verbal. Donc dans nos verbal là il y a une bagaille qu'on trouve, on trouve présentation mon look là et pour trouver faire des gestes et toute bagaille qui a passé là. Yo. Par exemple, n'a parlé mais m'a fait geste, voix m'a changer les variations. Après c'est le plus que possible communiquer de manière pour faire monde comprendre, mais monde qui capte ensemble avec m'cap suivre la tête des paroles là parce que quelque part l'a pas apprécié tout ça l'a regarder. Sinon l'a bon désintérêt. Donc c'est comme pour dire que travail pas seulement résumé à 10 monde. OK, mais qui font morphologie. Yeah. Mais vous le mettez, mais comment on peut aller, mais c'est tout un travail comme si sous moun en fait. C'est sous moun en fait, c'est aider ou. Et quand tu le fais comme ça, ça reste parce que moun connaît ça, c'est tête li. Faut que li prenne soin tête li et que li rete. Vraiment, vrai, avant, pas de jambon bon temps. Parce que pour moi, on conseille un image juste là comme si vous dites, ok, c'est un dire, ouais, c'est pas des mecs qui j'en ou de habiller, etc. Justement, parce que c'est le monde qui gagne complexe là, c'est ça fait que je trouve que, ok, les trois extra, vous allez payer un monde, ça vous dit, comment bon ça existe là que y a des personnes. Comme je te dis, moi j'ai une certification par exemple en France, en pile monde, c'est très populaire le conseil en image, etc. Il y a les gens qui sont les conseils en image, qui c'est ça justement, qui fait relooking purement. Et il y a les coachs de style comme moi qui décident de faire d'autres certifications, qui complètent un package, qui t'offre quelque chose de
avec beaucoup plus de profondeur, si m'ka dit ça. Et c'est pour ça que moi bureau me trouver dans My Body Haiti qui sont centre de bien-être côté que moi fait en pile collaboration avec en pile l'autre monde pour que moi permettre moi bail moun ça une expérience que m'ka dit unique côté que peu importe ça moun gagne moi là pour m'adresser parce que quand m'a fait étude morphologique moi pas seulement dire au monde comme ça que vinn camper mais qui font moi mais qui sont fait pour faire auto-évaluation tête ou bon moi enfin tu me donnes ou décortiquer tout yeux plumes pour etc ou bon commentaire feedback sur tout et autant que m'pral garder ça lié moi m'pral travailler ensemble avec vous sur tout petit bail que ça très confortable et nous trouver qui gens que nous capable justement mettre en évidence ou bien soit que ça nous fait pour nous forcer à être plus à l'aise dans peau parce que vous supposez accepter d'être et avec ça moi accompagner ça de coaching de méditation et de toute une série d'exercices que moi fais pas bien que moi je suis mindset coach pour aider apprécier et travail ça c'est travail que vous même vous fait moi comme moi dis mon coach c'est vous fait travail c'est au contraire c'est vous fait travail avec tête justement ou juste là comme si juste là pour cocher bon question yo moi accompagner ou moi donc découvrir tête pour nous rendre compte que généralement nous aimons comparer. Qui ça qui fait que nous sentons nous pas bien comme ça? C'est parce que nous toujours à comparer tête nous. Toujours est tel puis bon est tel fait tel bah etc. Nous pas jamais prend temps pour nous chita pour regarder nous même qui ça nous fait. Parce que nous toutes qui là nous quelle bagaille que nous fier que nous accomplissons. Pas supposer qu'une comparaison parce que est tel monton montaille en 10 minutes et que moi même moi monter en 3 jours. Et que est tellement moins pas bon, mais vraiment monter montagne là, il prend 3 jours même c'est ça l'objectif moi c'était monter moins content, est tellement monter dans 2 heures moins content pour du tout. Chaque monde nous n'est pas pour nous différent, c'est même pas que ce soit la parler de corps, de couleur, de cheveux, peu importe ça lien, hein? L'essentiel c'est nous parlons pile de apprendre compte tête nous mais nous juste parler le vague parce que il y a pile monde qui dirait mais tu as loi parler de ou demander au détail ou pas capable. C'est apprendre pratiquer ça, apprendre pratiquer reconnaissance envers ça nous gagne, envers capacité nous, envers ça que nous accompli déjà et surtout gagner des objectifs et des plans qu'accompagner objectifs ça yo, c'est nous carré les objectifs sans plan ce sont des rêves. Ce sont des objectifs doivent avoir un plan d'exécution qui pour aider avancer. Et dans ça n'a bon booster, n'a pour comment pour mettre look là qui marche ensemble avec là comment pour marcher pour exprimer ça tout petit bagaille fun que nous aimer tout entrer là-dedans tout comment pour nous coiffer, comment pour nous comporter nous comment n'a c'est une façon pour nous dire que c'est vraiment important pour nous bailler un petit place dans la vie nous avec consultation yo, que ce soit pour conseiller d'image ou bien coach de cils parce que en pile là nous en Haïti pas faire parce que peut-être nous trouvons le mode en pile son investissement c'est un investissement en soi même gens que nous décidons d'investir dans tel bagage pour nous faire tel bagage son investissement parce que ça vous reste sur toute votre vie et les conseils que vous recevez la documentation que vous recevez ça vous reste. Et si nous pratiquons bien, il répond à la question, il faut qu'on pile comme, etc. Il faut qu'on pile comme pour acheter rad, si que ou pas maîtriser basique de garde-robe, ou pas qu'on comment pour intégrer nouvelle pièce dans garde-robe. Lisez un pile comme si ou pas qu'on est qui j'en pour rad supposé tomber pour sous, ou si ou a petit budget que ou a chambay, faut qu'on gonti bossa pour réajuster, etc. Si ou pas qu'on couleur ou a acheter n'importe qui bagaille, puis à la fin de la journée, soit ou pas fort bien, soit pas qu'à mélanger à l'intérieur de pièce de garde-robe, ou bien pas qu'on qui j'en pour mélanger. Donc ou quitter ou au côté. Est-ce qu'on comprend ça? Oui, il prend pile comme. Mais je t'assure que, au fait, nous développer stylisme, nous développer des concepts vraiment minimalistes, côté que nous parlons de capsule de garde-robe. Qui c'est une capsule de garde-robe? Des fois, nous arrivons dans 15 pièces, nous ne parlons pas de 50 pièces, c'est-à-dire pour monter un garde-robe de base et pour boire, par exemple, à l'intérieur de cinquantaine de tenues, ça y est, on prend 50 par 50, qui pour boire exactement le nombre de tenues, ça. Tu comprends, tu te donnes à peu près 250 variétés de tenues. Maintenant, tu vas faire d'intégration des pièces en fonction de ta choix de couleur au fur et à mesure et qui permettent de vivre au quotidien. Bien sûr, ça nous pas fait souvent parce que nous avons un moment belle bagaille. Et puis, nous juste prenons, et puis nous prenons, nous mettons là, le chita, là, le retail étiquette. Quand je fais le nettoyage de garde-robe, je fais ça 5 ans, 6 ans. Pas jamais mettre, pas jamais l'occasion. N'a pas eu 20 ans. Et on a un bagaille que ici qui commence à être très content, c'est thrifting. Il y a une occasion, il y a une bagaille spécifique pour besoin. Pas besoin de neuf ou faire thrift store. Et ça nous relève. Les occasions et les pièces d'occasion en Haïti nous qu'étant dans ce lieu pépé whatever ça lien quand il y a des fois que ou besoin pas pas besoin de neuf c'est pour un jour que on fait l'essentiel c'est pratique ou acheter ou béchou que dans bon état et aussi l'autre bail que nous négliger qui fait un pile fois que nous tout temps dépenser c'est que nous pas prendre soin vêtements vêtements ont étiquette qui dit qui gens pour prendre soin comment pour laver à
qui chaleur niveau chaleur pour passer etc. Donc nous prenons nous mélanger nous la gueule la machine à laver ou te dit laver à la main nous mélanger la yo dit pas mélanger la couleur ou mélanger la couleur yo dit pas mettre de l'eau rétrécie yo dit pas mal faire chaud mal faire chaud après ça c'est un petit détail que nous pas tenu compte juste mais qui vraiment important qui fait que ou pas capable justement ou toujours trouver que ni expensive dans chaque étape ou gain dans la vie ou que ou pas avancer que ou pas grandir et ou voulez approprier de meilleures pièces qui est normal mais tout le monde en fonction de budget ou habillé en fonction d'objectif il suffit que justement ou maîtriser basique de garde-robe ou gain contrôle forme corps couleur etc et ou prend soin vêtements ou comment pour mélanger vêtements et que ou essayer le plus que possible poser tête des questions avant qu'on achète un bagage. Il y a un conseil que je toujours bail avant qu'on achète un bagage, poser tête aux questions. Est-ce que m'ka fait 5 tenues avec lui avec ça que m'ai déjà. OK. Parce que si on achète une pièce pour mettre il faut lâcher 50 autres pièces pour mettre avec lui déjà là son problème. Parce que on va le faire une seule tenue pour yonle et pour pas jamais mettre encore. Bien. Donc ça nous pas souvent fait parce que nous pas entendre une question les têtes nous sur qui ça nous doit mettre qui l'aime quand mettre qui a qui l'autre tenue n'a quand parce que mon bagage nous remet nous acheter ça dit yo dernière question madame Lamoumous qui vient dans tête moi c'est que par rapport ensemble avec et bon toujours sous même question est-ce que me dit c'est estime de ça toujours sous même question comme si liberté que fille au gagner par rapport ensemble avec Jean au habillé grand pile monde toujours dit comme ça OK on pas fou monde habillé n'importe gens etc mais par ailleurs bon l'autre côté comme si yo souvent voulait faire comprendre que façon fille ou habillé kounia c'est lui même qui est responsable chosification corps féminin fille comme si pas vraiment connaît sous cerné question pas vraiment connaît sous cerné question un homme veut poser par rapport ensemble avec jamais dame habillé et yo prend ça comme excuse comme si pour dire que c'est mesdames qui chosifier corps yo et ça ba yo tout comme yo comme des cas dit ça yo comme cas dit ça ça juste ba yo yon avance sur comment on traiter fille par rapport ensemble avec okay. Façon que li habillé. Okay. Okay. Donc qui ça on comprendre de ça. Bon, moi pense que gagne en pile mépris et mécompréhension qui gagne autour de concept émancipation de la femme ou bien que ou habillé j'en voulais ou faire son voulait etc. Moi a priori me travaille en pile avec professionnel et une concept que me développer c'est apprendre nous habiller en fonction de corps, en fonction de style de vie ou et montrer ou en fonction de son aimé qui ça qui que pour nous qui considérer selon des règles bon que on définit encore ces sociétés définies et sauf l'exprimer tout parce que un peu le monde qu'on pas l'exprimer comme si j'ai habillé mais pour autant habillé façon on parle bagarre jeune moi même moi j'ai un peu d'expérience dans le domaine corporate et moi fais ça en pile sont ancienne directrice de vente corporate côté que me gérer en pile équipe filles garçons etc. Mon respect que local en clientèle ou bon look ou supposé gagner ou grande série de parfois ou gagner yon ligne de conduite qui prescrit par rapport à ça et ça fait partie de style de vie tu comprends. Et bien que nous ka gen tendance moi si professeur vle et les recruteurs les chefs d'entreprise yo gon image que vle pour entreprise c'est pour ça par exemple gen uniforme et même en dehors de ça tout yo gardé et c'est ça fait certain si moi travaille pile la corporate soit sous identification de talent et des talents justement vini dans niveau que capable ascendre à un poste supérieur parce que li très sensible pour image entreprise ou capable moi-même ça arrive déjà que moi là embauche un monde vu parce que t'a pralé hein bon photo qui a circulé sur les réseaux sociaux que moi pas capable embaucher ça que mon sans que mon pas tenu code de lui pas tenu code de lui pas d'accord ensemble avec moi-même je vais dire je dis toujours ça je on vérifie les réseaux sociaux on vérifie parcours mon là lui-même ça l'a chercher est-ce que image ou gain ou correspond avec ça que la vente ça que li vle ou entreprise et c'est ça qui fait que l'heure m'a parlé moi fait un pile personal branding tout c'est une bagaille que moi fait comme conseil c'est de développer même genre entreprise identité de marque donc entreprise elle même la chercher est-ce qu'on identifie ou à identité de marque li on nous prend exemple simple pour moi on nous prend Oprah Michelle Obama Shark Tank moun sa yo gade li yo gade ki jan ki habillé habituellement et pour ka prendre des rappeurs ou ka prendre des moun sa ou gade ki jan habillé soit pour manquer que ce sont tous deux catégories moun sa ce sont des moun nou ka di assez qui très puissant parce que yo tout yo c'est des millionnaires des milliardaires etc. mais on évolue dans différentes sphères et en fonction de ça yo habillé différemment et sans pas ka retrouver encore qui encore plus d'attention nous Denis c'est que gagne de série de Oscar
Oscar, il y a une série de events qu'a fait. On dit Oscar prend ça comme une mais on nous dit des events qu'a fait côté qui gagne des dress code, côté tout le monde conformé. Yo, yo capable à l'intérieur du dress code là aller un petit peu bon bagaille pour choquer etc. Mais tout le monde essaie le plus que possible par rapport à avec événement, par rapport à ça avec événement, rentrer dans dress code. Rentrer dans dress code et là yo fait avec des stylistes qui aident toujours quelle personnalité, c'est-à-dire que puisque personne va dire oui, je vais mettre un petit haut, la petite robe noire, mettre le fini. C'est pas ça que lié, non. Exprime quand même, mais où rester à l'intérieur de dress code là. Et c'est ça qui est important pour nous comprendre. C'est l'ordre exprimé tête ou l'ordre défini personnalité de style ou train de vie ou très important quand on venait hier, quand on t'a remis qui gens. Et maintenant, façon que vous allez bien, lit automatiquement, bah ça vous influence. Maintenant, c'est trouver comment pour refléter personnalité ou quand on a une blague de travail là bas et avec des buts mais nous sommes belle. J'étais toujours me dis que pantalon j'étais toujours dit pantalon un petit peu trop serré, c'était pas le cas vraiment. Il m'a pour penser à ça ou bien couleur que me dis qu'on a mettre l'homme moi pas qu'à mettre couleur puisque c'était bleu et blanc vert et blanc etc. Tu mets couleur dans tête moi me fais mes choses parce qu'on aime couleur parce que j'aimais la couleur, mais je t'ai trouvé que je t'ai étouffé. C'était pas ça ma personne. Pourtant, c'était une homme que tout le monde toujours changé. Je suis toujours très classe. Dans le banquier, je suis remis ça. Je suis remis ça. Je suis remis ça. Je suis toujours à battre. Alors qu'il était toujours on point sur sa caméra, whatever. Ou après, je suis remis sa caméra. Je suis toujours on point. Mais en même temps, je suis toujours on point. Je suis dans le dress code. Je suis essayé le plus que possible d'exprimer personnalité. Je ne peux pas faire étude ça. Je ne comprends tout le bagage. Mais going back, ce n'est pas vraiment rebelle. C'est que moi était vle style exprimer tête moi bijou était baï tête chargé tout ça que m'était joint qui était cassé côté trop classique là moi était pour faire mais si m'était faire qu'on y a m'ta pour parce que m'était en pile l'autre monde me montrer sans que on pas besoin aller un petit peu trop devant comment que le style qu'a toujours exprimer personnalité en respectant parce que c'est très le important lieu, l'événement. Le lieu l'événement tu comprends et t'identifier à l'entreprise parce que l'autre part à mon côté on supposé aimer côté l'autre part on supposé vouloir un ambassadeur pour côté et premier côté c'est la vie d'ailleurs l'arrivée côté premier bail qui fait l'arrivée c'est contact visuel nous font auto appréciation automatique depuis nous en monde sans qu'on pas besoin parler sans qu'on puisse recevoir, subconscient à recevoir, pour aller déterminer est-ce qu'on se sent stressé, est-ce qu'on se sent à l'aise, est-ce qu'on se sent mal à l'aise. Il n'y a pas à en sortir de là. Qui veut dire que, autant que nous dit que l'habit ne fait pas le moine, les apparences sont trop peuses, etc. Mais les apparences ont une importance capitale. Si vous habillez, vous avez sorti, vous gardez tête ou pas content, quand on arrive au bras, c'est le premier moment où vous avez sorti, parce que vous êtes obligé de sortir, vous avez cherché un petit pour un micro. Fini. Le jour qu'on sorti, ou gade tête ou nan biwa, di a jen de pral rase. Gade ou cherche tout bagay qu'on besoin faire, ou prive ou devant ban nan. Gen tel programme ou gen tel devant, gen tel bagay ou cherche tout ti bagay ou te besoin faire, ou kreye temps pour faire tout. Ça m'a passé pour regarder. Merci. Pour regarder, vous dites ou frère. Autant que nous pas vle, rendre nous compte de ça, autant que li veut son vérité, nous sommes l'être humain. Nous sommes un être de communauté. Nous c'est monde qui supposé vivre à monde nous toujours à vivre pour appréciation l'un monde sinon estime de soi monde qui pas prendre en tête d'une cap comparer tout bah ça pas t'a exister donc il faut pas se leurrer aussi maintenant nous pas veiller rester trop en superficie mais il y a toute importance li. Et c'est ça qui est important que pour nous comprendre que prendre soin de toi il gagne un paquet d'importance nous déca nous des exemples sur moi-même sur carrière personnellement comment m'ascender par rapport au fait par exemple m'a travaillé en côté que on connaît que leur besoin monde pour aller représenter dans ambassade parler peu importe côté hein il pas besoin réfléchir à dire les Iris parce que on connaît toujours frais depuis mon bail last minute on connaît son ça bon qui ça bon opportunité sortir à vos boss ça bon opportunité partager idée ça bon opportunité rencontre un paquet d'autres monde qui grand travail moins plus facile qui grand moins ascender à des postes beaucoup plus rapidement on pas dire c'est parce que moi t'es meilleur passé l'autre monde qui t'es gagné dans le même niveau ensemble avec moi mais c'est parce que justement le fait que moi t'es contre soigner image moi des opportunités pour moi montrer talent plus. Est-ce que tu comprends? Pour vous montrer talent plus. Mais si que ou a fait un plus, un chaque jour fait un plus, on vini. Pour faire un plus, on finit. On n'a pas besoin de bien comme ça, on pas boss, on pas chef, on pas ceci. Non. Parce que vous n'avez pas que vous avez gardé nous en tout. Et puis je dis à Intel très bien, oui. J'ai déjà entendu ça moi. Des jeunes filles fait commencer à travailler, je me dis à Intel, bon, mais présentation. Donc je dis toujours ça, bien en fonction objectif.
le plus que possible. Pas pour casser banque, non? Et c'est comme je dis ça tout à l'heure. En fonction de ça, il y a des moyens pour habiller très bien au fur et à mesure ou faire des ajustements. Et c'est une bague que moi fais surtout avec jeunes professionnels, c'est montrer comment concept investissement avec le peu de ça avec le peu que ça gagne. N'a fait ça comme ça, n'a font si saving pour nous faire ça un petit peu plus. Par exemple, une bagage que me dit mesdames, soulier sous qu'a faire le plus qu'on capable mettre là-dedans, mettre là-dedans. Mon sac à main le plus qu'on capable mettre là-dedans, mettre là-dedans. Parce que ce sont des bagages qui craser tout nous, mon sac à main décalé puis il commence à décaler sur la dos. Ou soulier bou soulier fait crac crac. D'ailleurs, on sent tout mal à l'aise parce que tout le monde a cherché crac crac pour même on va laisser marcher son pied pour nous marcher boiter, on perdu toute élégance. Ou fille qui a marcher entre côté, supposé garder. Yeah. Je suis pas gardé parce que comme si vous vulgaire ou toute bagaille, non, parce qu'on classe, parce qu'on marche avec élégance, parce qu'on marche avec finesse. C'est ça qui est qualité nous. Mais que soit braté parce qu'on pas vle puis on fait crep crep. Non, on pas chambon soulier, on bon cordonnier pour ranger le pour si que chaque fois bon sorti ou pour qu'on moyen pour jeter etc. Faut bon investissement dans bon soulier. Ou faire attention là marcher pour toi mettre pied et là bon problème ou bon cordonnier qui remplacer le pour faire toute bagaille tout neuf et pour ou faire nettoyer, moun pas besoin qu'on bagaille comme ça. On pas besoin qu'on en fait ou mais ça que mesdames et pas connaît peut-être bien tu vas dire ah mais tu as chaud. Alors ce quand juste quand j'ai ben, c'est cette trop complexité qui fait que nous dit que justement nous qui trop complexité là à nous ou bien nous essayer faire des bagages ou bien nous besoin de multitude de bagages ça que nous pas prioriser ça que nous en qualité ça qu'on vraiment besoin ça cap serve vous ou bien 100 paires souliers toutes fermées dans sac. Ou pral travail ou pa gen soulier pou mete ou bien soulier en lèt bouchi viré tout bagay et pou gen 100 paires sandales pay a fermé ou pa gen club pou aller etc. Et chaque fois ou besoin de acheter sandales vous remet sandales pas aucun problème pour le moment besoin 3 belles paires souliers pour mal travail voilà quand même il faut doser il faut connait qui quantité on va acheter et comment on va l'utiliser justement et ça c'est ça qui fait différence là dans comment que vous faites là et c'est un travail que vraiment et moi fait d'ailleurs moi commencer mon travail avec jeune tout c'est vraiment montrer au dès le départ et comment que yo capable justement préparer yo pour évoluer dans l'environnement yo pour capable atteindre objectif yo sans que comme si yo pas gain ça comme un lourdeur qui a traîné comme si soit yo dit ça yo pas là dans du tout parce que yo pour capable ou bien charger son casse-tête parce que il y a des petits bagages simples et clairs il y a deux pièces clés qu'on gagne. C'est fini. Qui conserve ou? Qui conserve ou gagne ou fait ces investissements bien achat ou bail fait tailleur. Mais yon là, nous gagne ou ressources qui permettent que nous gagne de bonne qualité. Le tailleur a mauvais tailleur fait le bail, faut veiller, pas bien tomber, recommencer. Pas bien tomber, recommencer, pas satisfait mon travail. Ou pièce qui bien tombe sous ou, pas gagne prix. Pas gagne prix. De même qu'on pièce qui vend 100 000 $ mal tombé sous, désolé ou pas semblant rien. Donc c'est ça mesdames, c'est prendre temps nous prendre ça nous chercher qu'on qui ça nous plus besoin dans moment. Justement. Ça que nous pas obligé je madame nous se dire acheter 1000 petits types de bagages que nous pas besoin. Que nous pas besoin n'a mettre une fois chaque Saint-Sylvestre ou des fois oublier si n'était gagné. Bon moi m'y fait déjà joindre moi fait garde-robe côté me joindre monde gagner même bagage en plusieurs fois. Ni pas songer l'elle t'acheter ça ou elle encore même. C'est-à-dire que la pas acheter deux ou trois fois et le pire toute la étiquette. À chaque fois où elle l'achète, elle ne peut pas l'utiliser. Donc, son problème. Et là, ça a besoin de support assistance qui peut aider justement et mieux canaliser et compulsion dans le shopping, comprendre un petit peu plus comment pour développer de meilleures relations avec vêtements de manière pour capable avancer. T'es vraiment content parce que nous parlons un peu de bagarre, nous parlons de morphologie, nous parlons de comment pour nous agencer nous parlons tout de complexité que un peu les mesdames gagnent. Bon, pas des mesdames seulement, tout. Monsieur, tout. Bon, d'ailleurs, on t'a découpé pour même t'as parlé de monsieur. L'important pour vous connaître ça tout, parce que surtout des fois, et des mondes depuis où on monte pas habillé comme ça. Tant qu'ouais, monsieur, ça là, noir et bleu, blanc et bleu, etc. Monsieur, met ton couleur tout. Chaque monde a un tempérament et monsieur a un tempérament trop classique. Tandis que, il y a l'autre façon qu'on peut exprimer tout ça. Bon, ça m'a étonné plusieurs fois. Je m'apprends que j'ai une couleur préférée, monsieur, c'est noir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, c'est noir, noir, noir. Ok, le rose, ça ne va pas. Oh, jaune, moi, ce que j'adore, je m'habille mal en rose. J'adore. Ils ont un couleur bien foncé. Ils mettent une belle rose raquette comme ça sous les ouf, ça fait tellement bien. Tout le monde, je dis, oh, je ne sais pas si ça nous va. Ça nous fait.
got you. Je n'ai pas de problème pour porter du noir. Mais on peut porter des couleurs. Il faut comprendre, il faut pouvoir exprimer sa personnalité. Il y a des gens qui sont plus réservés que d'autres, il y a des gens qui sont plus effacés que d'autres. Ces gens-là ont tendance à être un petit peu plus sombres. Et n'a pas le fait intégration de couleurs un petit peu plus en douceur. Et il y a bien moins de couleurs. Mais il y a des gens qui sont plus colorés. Les hommes peuvent être des dramatiques. Les hommes peuvent être des créatifs. Quand tu es créatif et que tu évolues dans le milieu, même quand c'est corporate, même quand c'est professionnel, ou style capable d'exprimer personnalité, ou style capable soit dans les couleurs, soit dans les accessoires, une série de bagailles. Et les accessoires, ils complètent ton look. Un garçon juste au final bien, aucun accessoire. Du tout, même une belle montre, c'est important. Un garçon supposé avoir une belle montre, une belle lunette de soleil. On a toujours, tout le monde besoin de belles lunettes de soleil. Ça rajoute quelque chose de plus au look. Oui, en fait. Au moins ça ajoute un cachet un petit peu mystérieux, si je peux dire ça comme ça. On va prendre tant de boudoué, lunettes, la sortie, un moment d'action. Et ça permet de faire premier contact visuel. Et puis le premier, où elle nous apprécie ça loin. Clique-le, passer comme ça. Ça y est, de passer de meilleures entrevues, ne serait-ce entrevue de travail, parce que stress paralyse le cerveau. Le qu'on pas bien présenté, que ou rend nous compte que sans qu'on pas parler, que moun n'a pas aimé ça loin, ou est ça, oui. Moun n'a pas défiguré, ou bien le gardon bagarre, ou qu'on est le gardé, ou qu'on est puis ou t'es blanche. Fini, oui, ou stressé. Et puis après, lorsque nous entrevue, on dit, oh Jésus, m'te kadi, ça pris, ça m'a répondu à une question. C'est pas qu'on pas bien réponse, hein. c'est pas parce que. Ou pas de compétition. Déjà, pas avoir avec tête ou wow, ou pas mal. Ou vite, mal ou pas avant tête ou yeah. Parce qu'on stressé, l'on stressé, cerveau paralysé entre 60 jusqu'à 80%, cerveau qui a paralysé. Ça te donne comme on va le performer. Et puis après ça, l'on sort, tu sens tout mal, ou dit, qu'est-ce que tu réponds? Par contre, l'heure qu'on bien présenté et que de pouvoir rentrer dans sa entrevue, hein, ou faire contact visuel, ça, communication non verbale, en passe au taquet ou appréciation, ou chita, ou t'es bien préparé entre vous, pour le déposer, pour avoir une conversation. Moun n'a pas envie, actually, et d'encourager, pour laisser affaire conclure, etc. Depuis compétence, ben, elle a passé plus vite, mais en pile, moun raté des entrevues, premièrement, par manque de préparation, parce que yon pas préparé entrevue. Deuxièmement, parce que yon pas habillé, tenue vestimentaire n'a pas soigné. Et tenue vestimentaire n'a aller au-delà de souliers, chaussures, sandales, aller dans les ongles, aller dans la coiffure, aller dans tout bagaille. Dans petit détail. Et en pile, des fois, nous avons couru pour acheter belle. Dans petit détail. C'est dans petit détail. Dans les tout bagaille, dans la posture, toute façon courrier, posture, façon marcher, façon qu'on exprime. Des fois, le fait que vous osez porter une certaine couleur, par exemple, nous trouvons toujours un vrai exemple, ça, bien rouge, un taillon rouge, un bagage comme ça. Osez faire un bagage comme ça, à partir de l'attention automatiquement. Tellement j'avais ma belle soeur, elle a pris les noms, elle a commencé à entrevue, elle a pris le job là, et puis elle a pris le sous-humain, et puis elle a mis le vestiaire, elle a mis le vestiaire. Elle a mis le vestiaire, après ça, elle a dit, je vais me poser une question, est-ce que c'était là, lui, est-ce que c'est tout le monde qui a regardé? C'est qui dame ça, qui vit, qui jeune, qui vit dans ce qui d'ailleurs n'est pas conseillé, parce que souvent, fois, les moins, on ne peut pas être bon conseil que le rouge. Le rouge, c'est une couleur classique. Le rouge, ce que les gens ne comprennent pas. Il faut savoir c'est quelle couleur. Ciel, non, qui sont gris. Pas, non, le rouge, c'est une couleur classique. Ah, moun pa mette rouge parce que yo timide ou parce que yo peur, etc. Dans les couleurs classiques, rouge, c'est une couleur classique. Le rouge vif, le vrai rouge, c'est une couleur classique. Maintenant, bien entendu, on te conseille de rester dans les sobres parce que les couleurs, quand tu les portes et que ce n'est pas de qualité, que c'est mal fait, it's tacky. So, il n'est pas bon, mais c'est une belle pièce rouge, une belle vernis. D'ailleurs, qui coule le vernis traditionnellement qui est classique, c'est le rouge. Yeah. Qui rouge à lèvres traditionnellement classique pour femmes, c'est le rouge. Le rouge à lèvres, d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons arrêté. Peu importe la couleur, nous dit rouge à lèvres, on rajoute le rouge à lèvres, période. Une fille qui maîtrise le tête, qui sur le tête, qui a bien rouge, c'est son fille qui est prête pour conquérir le monde. Oh, it's powerful. So, il y a ça, mais aussi, il faut, encore une fois, pas la même chose, il faut savoir oser aussi, il faut regarder le mouvement, il faut qu'on comprenne aussi le bagage aussi, et il faut qu'on utilise une bagage que moi fais dans l'étude de couleur, analyse de couleur, c'est montrer la signification de couleur et comment capable d'utiliser la couleur pour jouer dans le subconscient vis-à-vis ou pour, de manière à ce que pour atteindre des objectifs. Bon, nous sommes parlé de un pile bagaille, vraiment content que grand pile bagaille que attire l'attention nous sur lui, que ce soit morphologie qui vraiment important, que ce soit façon comme si pour nous gérer l'argent nous pour nous acheter, que ce soit façon pour nous doser tout pour nous acheter qui vraiment important, que nous toujours trouver qui complexe mais qui vraiment pas demander un pile bagaille parce que j'aime madame nous dit nous sommes besoin mettre accent sur petits détails. Donc nous t'es vraiment content là ensemble avec vous madame Iris Duhamel, nous t'es vraiment apprécié intervention
et vraiment souhaiter que en pile monde ou bien tout le monde qui regarde vidéo apprendre de ça. Donc quel dernier conseil ou gagner pour monde qui regarde émission, que ce soit par rapport avec en fait général ou bien tout par rapport ensemble avec domaine, qui conseil ou gagner pour monde qui regarde émission? Ouh, et public là c'est plus jeune. Ah, public là jeune, nous tout le monde. Bon, le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est d'abord d'apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à se fixer des objectifs et apprendre à focus sur tête et pas occuper bruit qui a passé autour de nous-mêmes, concentrer sur tête nous et chercher le plus que possible, mettre nous dans un environnement positif qui a permis nous évoluer. Soit de par des gens qui déjà atteignent des objectifs similaires à nous-mêmes et qui sont disponibles et disposés à partager, ou bien des gens qui là qui a offert nous un accompagnement. Parce que très souvent, nous avons pile frustration dans la vie nous parce que nous entourons nous de gens qui ont déjà des frustrations, qui ont nous-mêmes bagaille et qui à la fin de la journée, nous rêvons nous jamais réaliser, il pas jamais trop tard pour réaliser rêve ou juste besoin prendre temps pour écrire, pour créer, convertir en des objectifs et mettre un plan d'action ensemble avec eux et puis commencer travail. So, si on va me gardi non, c'est commencer jeudi en même travail sous tête nous, travail sur objectif de vie nous et puis contacter la maman si nous besoin d'aide. Ma connais sur un dernier mot ou bien un mot nous t'as autant vie saluer dans l'émission ou café ça. OK, qui est ça salut. Bon salut tout bon. Moi si me plaît bye shout out spécial en premier lieu c'est ma mari puis gros supporter moi Carl. Bon Mindbody qui sont plateforme, invitez tout le monde à suivre Mindbody Haïti qui c'est là que bureau là mon dossier et que gagne en pile service de bien-être, en pile support et d'accompagnement. Invitez nous suivre et moi saluer vous sur track ça. Suivez la momo sur toutes les réseaux sociaux, moi plus active sur Instagram. Nous ca visiter site web moi lamomos.com pour nous gagne plus détails sur tout service que moi offri. Pas hésiter écrire DM numéro téléphone, moi tout bas est disponible sur plateforme sociale. So c'est avec plaisir que moi toujours aimer partager avec tout le monde, donc c'est ça. D'accord, merci une autre fois encore pour que tu aies accepté l'invitation et merci pour que tu aies parlé un paquet de choses qui est important, qui est vraiment important pour nous te connaître. Donc, vraiment souhaiter que nous, une autre fois encore, dans l'autre occasion, nous rencontrer pour nous discuter plus de ça. Merci à vous-même qui t'es resté, qui t'a regardé l'émission. Nous vraiment espérons que vous avez appris, que vous avez enjoyé le moment. Nous avons cassé rendez-vous ensemble avec vous pour une autre émission, en fait, pour le quatrième épisode de l'émission. Nous avons rappelé que c'est l'émission de Christine Cho qui était avant et c'est Sandy Volcan qui était là. Donc, je vous demande surtout pour ne pas oublier, si vous pouvez vous abonner, abonner et puis partager et puis liker s'il vous plaît. Bye bye. Bye bye, merci pour l'invitation. Merci.